L'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences, ANINF, figure parmi les acteurs au cœur de cette étude portant sur la stratégie nationale de digitalisation au Gabon à l'horizon 2025. La mise en œuvre progressive de dix gouvernements devrait apporter des changements notables aussi bien pour la performance des agents de l'État que dans les services rendus aux usagers dans la quasi-totalité des secteurs de l'administration. Dans cette optique, l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences s'emploie à mettre en œuvre progressivement ce chantier ambitieux. Le projet, porté financièrement par la Banque africaine de développement, s'appuie sur la diversification des services du numérique dans le pays et encourage les actions de modernisation basées sur la continuité. La BAD a placé le développement des TIC au cœur de sa stratégie décennale, dont elle demeure convaincue qu'il constituera le principal moteur de transformation et de création d'emplois des économies africaines. Pour le gouvernement qui a réceptionné les résultats de cette étude de faisabilité, la stratégie nationale de digitalisation est un projet voulu par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, afin de rapprocher la population de l'administration publique. Les projets importants d'infrastructures et des services numériques lancés par le gouvernement, tels que le déploiement de plateformes numériques visant à rendre accessibles en ligne certains services de l'administration, dont matérialise la vision du chef de l'État et pose les jalons d'une transformation numérique en marche. Les travaux sur l'étude de faisabilité du projet Plan national stratégique Gabon Digital 2025 ont démarré il y a 4 ans. Outre l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences ANINF, l'agence Evolving Consulting a contribué à l'élaboration de cette étude.